peut-être le fait d'avoir une équipe qui vous a déjà battu dans le tournoi. Voilà. Très attentif aux montées des joueurs ivoiriens. On sait que souvent, avec un système en 5-1, la place, on l'a dit, on a vu Serge Aurier de manière très automatique. Parce qu'il y a un gros pressing au milieu de terrain, ils apportent de l'intensité avec notamment les joueurs de côté qui viennent aux phases défensives, il va falloir jouer très vite. Récupéré par Simon Dingra qui part à l'extérieur, le dribble extérieur, il est réussi avec le centre, non ! Et la déviation ! C'est un but marqué contre son camp sous la menace de Sébastien Allaire, la Côte d'Ivoire qui prend les devants. La... Des derniers des repêchés, aujourd'hui des premiers. C'est une leçon de courage, une leçon d'endurance et une leçon de croire en l'avenir. Tant qu'il a de l'espoir, il y a de l'avenir. Côte d'Ivoire dans sa finale sous la pression de Sébastien Allaire. Merci au bon Dieu, merci à nos dirigeants, merci à nos joueurs, merci à nos supporters, merci à tout le monde. Merci à la population de Côte d'Ivoire, que vraiment la fête continue, la fête soit belle. Aujourd'hui, je crois que si nos parents sont satisfaits, nos parents sont contents, ce qui veut dire que notre mission a été accomplie. Vraiment, merci au ministre Amicha. Grâce à lui, nous avons obtenu cet agrément pour la ville de Tana. C'est terminé ! C'est terminé ! La Côte d'Ivoire est sacrée championne d'Afrique pour la troisième fois de son histoire. Le miracle ivoirien s'est produit ce soir à Ebimpe.